Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur le Big Résistance pour le concert de Monsieur Jean-Michel Rodin. Ce soir, concert avec ses musiciens. Dans quelques minutes, ça va commencer. Ça vous laisse le temps de partager pour vos amis sur vos groupes WhatsApp, Facebook. Voilà, tous vos réseaux internet. Artiste local en nous, monsieur Jean-Michel Rodin, avec ses musiciens, force pour lui, force aussi à ses musiciens qui sont venus en solidarité pour les soignants suspendus, voilà, sans salaire depuis presque un an, 10-11 mois qu'ils sont sans salaire, et avec ce concert de solidarité, ben, ils vont pouvoir effectivement récolter des fonds pour pouvoir tenir dans leur lutte. Voilà, dans leur lutte respective, on voit, il y a aussi des membres du collectif du Lacou Santé, M. Michel Girard. Voilà, dans quelques minutes, ça va commencer. Ça vous laisse le temps de partager et de vous abonner sur Canal 97 Plus, mon gars. Thank you.
c'est. Thank you.
Yep. C'est toujours dans le jeu. Mona, on se voilà, nous lui l'honneur de recevoir dans la Cour Santé aussi. Continuité à la Cour Santé collective. Les organisations en lutte. Nous remercions de l'applaudissement. On se voilà. Ça belle, Mona. Nous dit jour qu'on s'en est lundi, nous allons travailler les mardis, nous allons travailler les mercredis, nous allons lâcher nous. Pour les Jésus, nous recommencer. Bon, on est debout. Nous sortis, c'est Stella Moutou qui est là, parce qu'elle est là toujours. Et Stella Moutou, il a, il fait nous danser, il fait nous chauffer, rimer. Et nous parler. Oui, nous applaudis Stella. Tous les mercredis, là. C'est lui qui apprend nous garder la ligne avant nous rimer, parce qu'en fonction à. La ligne, j'en ai qu'à éclairer, mais il faut bouger quoi, en côté, en sens, raconter, ou qu'à bougou, tout qu'à bigidi, en fonction à la ligne. Et il a fait nous en bien. Merci Stella. Donc, nous j'ai parlé. Mais bien sûr, là, toujours l'histoire. Tout bitin qu'a dit, non bitin par rapport à ton vie. J'apparais pour qui j'en ai dit ça. J'apparais pour rimer, pour coûter, pour danser. Assis. Alors, mon a tellement ému que quelqu'un fait nous on y écrit parce qu'il y a un rituel en nous là aussi. C'est des fonds écrits pour nous ouvrir la poula. Alors, nous, Mona. Oui, tu es là, c'est pour en connexion avec les ancêtres. Et ça, tout comprend que dans la poula, ça, c'est la poula qui bénit. On dit là, les ancêtres en nous qui a veillé à six nous. Qui est tiré, il y a là, il y a là. Quand il y a sept ancêtres, non? Il y a plusieurs. Il y a plusieurs même. Yeah!
qu'on va dormir les fées. Yabi, Yabi, quand on fait un collectif avant de commencer, nous commençons pour honorer Michel Rotter, Lévé, et on nous dit merci parce que Goumela, il rêve et il belle. Belle. Nous t'assemblons. Nous t'avons canté. Nous avons l'eau force à Sibi Glassa. Jean-Michel, merci. Vous pouvez venir, vous pouvez venir. Nous avons pas de visage. Nous, côté la salle, côté aïe. Famille aïe, vive là, Jean-Michel. En fait, à la base, c'est la grande famille à moi, et tout le monde là, de l'hôpital là, l'ami commissaire là aussi. Quoi. Donc voilà, c'est voilà, mon grandier. Voilà, je pense que même si bon, c'est pas nous 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 pas Oui, eh bien merci pour ça. On mise, nous croyons qu'on mise. On mise à l'artiste depuis le premier côté de site. Longtemps. En tout cas, depuis, il a commencé à suspendre le monde de l'hôpital au mois d'octobre. Après une déclaration qu'il a fait, pour payer soigner les gens pour vacciner, pour occuper des gens pour prendre le vaccin. Et même si on n'a pas eu le vaccin, par contre, on va prendre le vaccin sans traitement, à présent, on va prendre des fois. C'est du bordel. En tout cas, nous nous disons pas. Nous pas appliquer pour ça. Et depuis le principe, vous estimez là, vous estimez que ça a une sens. En tout cas, sans ça, il y a un sens politique, il n'y a rien de sanitaire, il n'y a rien de médical. Et tout à fait naturellement des soignants, des médecins, des infirmiers, des psychologues, des infirmiers, des ASA, des biens dit non. Nous avons demandé l'espère à tous, évidemment, l'espère à pour Santiago, qu'il y a eu misé dans le pays pour exercer, ça n'est pas normal, ils n'ont pas accepté que le pays puisse exercer les soignants dans le pays, qui disait le monde soignant justement. Donc c'est des forces là, contre Jean-Michel Moulin, qu'on a pu nous. Ça, pour Dominique, pour Tarande, des dizaines d'artistes. Dominique, Florence Napri, Gilbert Coco, nous dit donc des dizaines d'artistes qui misaient pour nous. Alors, je savais également son contribution également à combattre pour faire Guadeloupe, pas confiance à voter à l'État de Dominique là. Mais c'est un moment aussi qui a permis de participer à l'argent, parce que comme ça, mais nous va toucher les pieds, nous suspendus, mais nous va nous prendre, donc sans l'argent. Mais le solidarité, c'est qu'à faire ce nous l'avons déjà, c'est pas fini. Parce que les rendez-vous comme cela, nous avons tous des camarades qui se sont vus qu'avant de sauver, nous avons tellement d'aide à nous. Pour moi, payer un loyer, on peut peut-être avoir cela, ça utilise toujours parce que c'est pas nous encore même. Et ou bien, pour enfin, qu'on peut entrer dans sa ressource, même tout ça qui est d'être à l'union, on a une angoisse et une difficulté. Donc c'est tout pour ça que nous avons là. Quand même, dès que les débuts, depuis 9 mois, que les solides, que les vaillants, la volonté de l'unité, mais donc belle solidarité qui est extraordinaire. Et bien sûr, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et toute l'équipe, nous décidons de nous apprendre la vie de Jean-Yves, mais pas pour les deux qui ont été. C'est ça, c'est ce qui est. Merci encore. Merci à vous aussi. Voilà, et nous, et bon, ça va. En présentant les autres noms-là, je dis à d'autres manières, donc présenté Léo, mais nous dis Stéphine, hein, à la batterie, en train de vous dire. C'est l'extrême gauche, mais Karim Berger, premier guitare. Deuxième guitare, Nouni Martian Smith. Et à la basse, Monsieur Durizo.
nous parler. Vous parlez? Oui. Bon, ok. Et oui, en face que les membres du groupe Énergie 80 qui peuvent être au soleil, qui sont ravis d'attirer le terrible noir. Donc, oui, en face que vous ben, on va continuer. Hein. Thank you.
Ça gagne. Bon, il passe. C'est moi. Un truc pour la vie. Ouais, portez les basses. Un. C'est chaud. Yes. Un. Yes. Encore. Un. Yes. Un. Ok. On va continuer. On y va. Thank you.
Thank you.
Stanley? Oui. Donc, merci. Merci. Merci pour le partage. Merci. Merci. Ils ont bien? Nous bien? Ah ben, merci au bien pour vos prestations. Ah ben, attends, c'est les camarades qui l'ont soutenu, qui l'ont résistant. Nous n'avons pas de nez qui est passé pour nous voir nous venir. Je connais le système là, nous ne pouvons pas y aller sonner. Vous voyez, on va dire, tiens, tiens. On va y aller croiser. On va aller billet. Merci pour votre mission à zone. Et bonne continuation. Force. Merci. Merci, merci.
Alors, bonsoir à tous, est-ce que ça va? Alors, je pense que pour vous, ce soir, un petit moment intimiste et c'est un peu particulier d'avoir Jean-Michel Rotin. Ce que je vais vous demander, de vous rapprocher. On a une grande chaleur, on va s'amuser ensemble, on est venu pour ça. Et je vous demande de vous applaudir bien fort vous-même, s'il vous plaît. Non, mais pas envie. Bonsoir. Est-ce que Jean-Michel, on revisse le même morceau? Ben oui. Ben là, on veut. Est-ce que vous voulez qu'on revisse le même morceau? Bon, ben là. Mélangez à même. Yeah.
Chers internautes, j'espère que ça se passe bien pour vous aussi de chez vous, que vous appréciez bien ce concert en live avec Jean-Michel Wauthier. Yes, sir. Jean-Michel Wauthier, nous, ça chauffe dans la. Ici, là, ça chauffe, 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 chauffe même. Ça chauffe, public là content. C'est mon là content, c'est suspendu là content, tout le monde content. L'amour. Thank you.
Jean-Michel.
Ils ont fait applaudir toute l'organisation. Tout le Thank you.
I'm not afraid.
n'est pas complètement. Est-ce que vous voulez qu'on rejoue le même morceau? Je vais vous demander de vous rapprocher encore un peu. En fait, d'accord, la mise à ce que vous avez joué. Si vous êtes tous les autres à tout, en plus, je sais que j'aime le plus, c'est qu'il y a les femmes, et j'aime la chaleur des femmes. Oui, c'est lui le cœur. C'est lui le cœur. Je chante juste. Je suis... Mesdames, je vois que vous êtes présents, messieurs.
qui j'aime là ce soir, messieurs. Mesdames, messieurs, pas fait vraiment autre. On va faire un petit truc qui est 7-7-7-7-7. Mesdames, comme moi, on va voir ici. Sensuel, sensuel. Je dis que 7, moi je prends 3, je fais le petit aïe aïe. Le aïe aïe, pour la porte du fermé de la chambre avec le monsieur. Et c'est ça qui est sensuel, sensuel, sensuel. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames? Ok, à toi, ok, à toi, on fait aïe aïe. Ok. 1, 2, 3. Je vous ai dit que vous imaginez que vous êtes dans la chambre avec le sensuel, il y a des roues. C'est avec le sensuel, 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 sensuel. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, vous êtes magnifiques. En fait, c'est vous, mesdames. Bon, messieurs, est-ce qu'elles sont là, ces bougres-là? Non, ces bougres-là, est-ce qu'elles sont là? Non, les hommes, on va mettre notre fragilité dehors. Nous sommes des mâles dominants, ok? On va faire ça, mais un peu plus tard, mais sous ce qu'on a la jambe, on fait oui, 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 ok? On est avec madame, madame, oui, 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 oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, arrêtez, messieurs, est-ce qu'il y a eu un bon bouton balai, cabaye? Ok, messieurs, à voir, vous priez un bon yoyo pour moi. Messieurs, 1, 2, 3. Nous faisons ça, messieurs, vivil. 1, 2, 3. Nous faisons ça, vivil, vivil. 1, 2, 3. Ok, maintenant on fait les deux. On va faire mesdames avant et messieurs après. Est-ce que vous êtes tout le monde d'accord? Oui, mesdames. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Il était de tes qualités, et ça vient de sa façade. Pour toi, tes amours et toujours l'idée. Oh,
Yeah.
Merci mon âme. Merci Gabriel, qui est tout là, qui permet de nous là. Comment tu fais d'argent jusqu'à toi? Tu dis que c'est la pierre. Sabine Berger à la guitare. Martian Smith, deuxième guitare. Claudie Durizo à la basse. Et Stevie Lang à la batterie. Encore vous merci Technique là aussi. Encore honnêtement à tout le monde, mais merci pour Technique là. Merci en plus les gars. Merci pour tout le monde. On se laisse, il n'y a pas passé quand je vais faire deux fois. Il n'y a pas de côté en bonheur. Je vais vraiment penser que nous t'ai joué Zouk là, Congo Kala là, il est en fait. Vous autres, de temps en temps, ça fait bien. Mais en fait, vous avez montré moins que ça possible. Merci. Ouais. Et vous pouvez aller voir ça, c'est un aussi. Vous aussi. Tu as des bonnes choses aussi. Vous voyez, moi, s'il vous plaît. Alors, Samy, avant de continuer, parce que nous va suspendre, nous va soutenir le suspendu, mais le suspendu, c'est monde, c'est femme, c'est homme, c'est monde qui est en musée. Avec toi, Fidji, à suspendu, c'est intéressant de voir que ça part. Avant, vous êtes qui en l'air, ce qui est réel ou vivant. Entendu qu'il y a des fois suspendu, vous voyez le monde là, vous voyez que. Oui! C'est des mondes, c'est des mondes, c'est des familles, c'est des femmes, c'est des hommes. À part, Jean-Michel, mais c'est monde. C'est comme ces noms, c'est vous qui engagez, vous qui limitez, et vous qui êtes super, mais qui dignes. Alors, des mots pour chaque monde là, présente des autres casaliers. Jean-Michel, pour que ça, pour la vie. Bien, bonsoir, Martin. Vidola. Martin, infirmière, CHBT, suspend depuis 9 mois, mais en bien. Et bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Huguette, mon sage-femme, mon travail d'Astel, qui est en bien. Moi, c'est Mona Edreville, en tellement bien qu'il y a calculé des mouns, trois mouns, la Marilyn, Jessica, la Jelly, qui m'ont caché, le Vinny Gotta. Vinny Gotta, qui t'a caché. Nous sommes en famille. Et c'est musique qui semble à la tête famille. Nous avons été chers d'éviter nous. J'en continue. Et bien moi c'est Flora, je suis AS au bloc opératoire et on ne peut pas dire normal, c'est pas vrai, chaque habitant est possible. Oui, Corinne Bourgeois, soignante au bloc opératoire, en
qu'à dire merci à Jean-Michel Rotin. Franchement, bercé, moi, pendant toute jeunesse, même sans faire du tout, hein. Mais merci. Merci. Alors, moi, c'est Aïssa qui m'a invité. Je pense à Aïssa, mon invité. Aïssa, je suis à Tony Rivaudé, je suis sa femme en maternité et très heureuse d'être là, je suis bien. Grâce à vous, grâce à Jean-Michel, grâce à tous les artistes qui sont déjà venus ici, grâce à la Guadeloupe, et ben, grâce au BIC et au syndicat, grâce à tout le monde au collectif, et on nous sommes bien. Voilà. Bonsoir tout le monde, moi c'est Marie-Vine, infirmière en hémodialyse. Donc merci pour toute votre abonnement là. Merci à ce musicien-là, merci à Jean-Michel. Et à te profiter quand il est trop là. Aussi, on va avoir notre rendez-vous très bientôt, dimanche prochain. Nous allons organiser en Ligonier Brocante. Nous faisons ça. Nous faisons ça depuis 9 mois. Michel Gérard. Eh bien, bien. Bien de vous. Nathalie, orthophoniste libérale et en bien de vous aussi. Guylaine, infirmière libérale. Roulons bravo à tous les artistes qui ont mis en âge avec nous. Merci à toute la population. Merci pour venir à Zot. Continuez, venez avec nous. Allons l'amour. Merci Maxime, technicien Labo là. Merci les artistes qui soutiennent nous. Là au fond, parfait. Merci pour tout ça qu'on va faire. En suspens depuis novembre 2021 et en résistance depuis septembre 2021. Après on l'année. Merci. Ben, Jean-Marie Grégoire, responsable en plus logistique en CHU là. Eh bien, merci Jean-Michel, merci pour chaque artiste qui là. Zoka fait nous dit bien. C'est-à-dire que Zoka vient de nous force, certainement Zoka prend aussi, mais Zoka va nous en l'eau force, en l'eau courage. Et puis merci à tout le monde qui là. Continuez à suivre nous. Tout le mois d'août là, nous en action. Donc, prends le programme là, un peu tout partout, sur WhatsApp, tout partout. Nous va compter sur vous. Merci encore. Bonsoir à tous les autres pendant d'expérience. Alors, Clotilde, 30 ans d'expérience, donc suspendue depuis 9 mois. Donc, ça très bon nous, mais nous avons parlé, pas tout le monde, et nous avons pas constat, pas tout le public là, ainsi que tous ces orchestres qui avec nous. Merci Jean-Michel. Résistante depuis novembre. Merci pour votre amour. Et les hommes sont la tête. Très gentil. Mon Dieu. Je vais vous donner un petit coup d'aide. Donc, je vais vous donner un coup d'aide. Maman. Bonsoir à la population. Et je que la France est pour vous faire la belle. Merci à Monsieur Rodin, merci à la population, merci à Louis, merci à la France, merci beaucoup. Bonsoir à tous les artistes qui sont venus
Corinne, résistance le 17 juillet 2021, suspendue depuis novembre 2021, en comptant en super comptant. Et merci Jean-Michel, qui est sans pédio en Tibitain, en main en live. On est là ce soir pour les soignants. Alors, s'il te plaît, on va nous soigner. Bonsoir, je suis Manita Dissanjo, je pense que je suis là. Merci pour votre cadeau. Bonsoir la population. Alors moi, Denis Delmot, suspendu depuis 9 mois. En fait, tiens à remercier la Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe, on ne peut pas aller dans mon inutile, monsieur là. Donc merci Bazot, donc Bazot, on verra où le voir. Est-ce que c'est un vrai? Nous, et bien les artistes, merci en pile. Famille comité de sécurité là, et pourtant, nous discipliner. En Guadeloupe, nous savons, nous discipliner. Pendant que nous avons fait nous comprendre, nous pas discipliner, et je nous organisons une manifestation sur là. Sachez que nous sommes forts, et grâce à nous, nous battons bien. Merci, merci tous les suspendus aussi, parce que tous les jours nous là, et encore vous voyons belle force à les grands frères aussi. Certains pas suspendus, mais un petit peu depuis le 17 janvier, dans une résistance, ça fait 190 jours à la fête de résistance. Nous savons bien que nous avons dans le même combat là, donc 11 heures, ça fait un grand merci de Jean-Michel et sa partie devant moi parce qu'elle est en salut au soir là. En tout cas, saluer devant moi parce qu'en fan, le million qui va faire les gros bras, qui a pu faire les remparts à la fin, il a tout le jet là. Mais il est très très grand fan à lycée au milieu. Et d'ailleurs, il a commencé à chanter le souk, il va pas chanter le rap. Il a commencé à travailler, mais il a mis 15 ans. Donc c'est comme si en boucle, au soir là, il a qu'à dire merci. Au nom de moi, au nom des grands frères, il a qu'à remercier les autres parce qu'on a constaté que de plus en plus, c'est sa bataille, c'est aussi bien que nous n'avons pas senti moins bien. Alors merci à Zor. Oui, bonsoir à la population. Donc en suspendu depuis le 3 novembre en soignant le rappellement des autres. Vraiment, merci pour venir à Zor. Et en bientôt à continuer. Pas oublier Panier là.
population, bonsoir Jean-Michel et merci. Je suis Isaac, c'est Christelle Delabo, 23 ans de carrière, la 17e au CHU et suspendue. Et j'ai un bonsoir, bonsoir, c'est Marie. A pas ni pendu ni suspendu, la famille baille dans nous pour qu'on a bon, une carrière, tout le monde a des collègues comme une famille. Et comme nous sommes en famille, nous avons des soins à des barrières, des finis chez nous, voilà. On va continuer. Le PSN, le PSN. L'impression qu'il n'y a pas suspendu, mais il a fait partie des suspendus. Nous rencontrons belle France Marie, puis c'est Gabi. Et oui, et oui, bon, c'est à vous. Et oui, 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 oui. Le nom va, le nom va. Voilà la vôtre, bien. Et nous, bien. Et nous, bien, mal parce que nous, bien. Nous, mal, et nous, bien. Malheureusement, il faut aller bien aussi parce que nous avons communiqué là aussi. Après, il y a également des manifestations de solidarité. La musique avec conscience, presque au milieu. Mais demain, la lutte a continué. Nous, on est venu demain matin, 8h30 dans l'hôpital là. Nous sommes exposés. Et tout le monde nous a dit que nous ne pouvons pas faire vacances. Nous ne pouvons pas faire vacances alors que nous sommes en souffrance. Et malades en souffrance. Surtout malades dans l'hôpital. Le bien le gouvernement a invité des amis pour les sites pour une journée d'action de solidarité. Et moi, ça veut dire pendant le tour de la Guadeloupe. Nous qui installons-nous dans notre tour là aussi. Pour nous joindre une population à nous. Pour nous monter bicyclette. Waouh, nous faisons monter ma mère, mais nous faisons monter bicyclette quand même. Quand même. Nous les solidarité qui avaient à nous voir les camarades qui se sont suivis, on voit la CHDT, à la polyclinique. Et nous, on l'a manifestation comme ça, nous là. Manifestation comme ça, on fait là. Et également, marché, meeting à la vie. Dans le programme là, et nous avons encore rendez-vous vendredi, la toute santé qui a continué. Et nous avons encore rendez-vous dimanche aussi, dimanche beau camp. Là, nous avons été 25 ans, restez nous, pour nous faire vendre la jambe. Alors, si vous voulez, vous avant de conclure, avant de partir dans la route. Bien bonsoir tout le monde, salutations respectueuses à chacun d'entre vous. Je voulais rappeler pour l'histoire que j'étais la secrétaire de la top de Jean-Michel Rotel qui a été inaugurée en 1987, première cadre infirmière supérieure du CHU. Au sixième étage, c'est une combattante. Et la partie C, c'était Madame Choisy, la femme de Jean-Michel Rotel. Bien, c'est comme un tout cas, il faut être là.
Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi ce live. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Jess, tu nous dis un petit mot? Pas grave. Tu nous dis un petit mot? Je te dis quoi? Je me sens bien. Comment tu as trouvé ce concert de gens? Nous pas de micro, désolé. On va pas te prendre micro là, mais en sorti, c'était une grosse émotion ce soir là. Alors, c'est comme une impression en fin de soirée. C'est particulier parce que c'est une sorte d'apartheid en douceur, en musique, en souvenir. C'est particulier pour moi parce que c'est toute notre enfance, c'est toute l'enfance des grands frères. On a à peu près tous le même âge, que ce soit les sœurs ou les grands frères, on a tous le même âge, c'est la même génération. On a dansé sous l'air au love, en boîte, on a rencontré les premiers copains. Aurore a dû danser sur ça, sur Wana, avec Wana, avec sur ça. Mélika a dansé, François, Sabrina. Donc c'est particulier. Aujourd'hui c'est particulier aussi parce que, comme tu l'as su, quelqu'un est sorti hier. Quand je suis arrivé ici, moi je ne fais pas langue de bois, je ne connais pas. On m'a demandé est-ce qu'on a une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Samuel. Parce que je suis contente qu'il soit rentré chez lui auprès de ses proches, là où il aurait dû rester. Il n'aurait jamais dû être éloigné de sa famille. Par contre, ce n'est pas une victoire. Parce que normalement, il est sorti là pour raison médicale. Mais normalement, si on n'avait pas bafoué ses droits, si on avait respecté ses droits, il sortirait un homme libre, sans aucun doute, comme les 11 grands-pères. Et c'est pas normal. Donc, je suis contente pour lui. Mais je rappelle qu'il y en a encore 10 et que tout comme Samuel, ils n'ont pas à se retrouver en prison. Donc aujourd'hui, Samuel est dehors pour raison médicale, mais je pense qu'il méritait tout autant que les 10 autres de sortir par la grande porte en homme libre parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Il faut savoir qu'il y en a qui ont été malades. Est-ce qu'on va attendre qu'ils soient touchés comme Samuel? Qu'il soit au point de risquer sa vie pour réagir? Est-ce que c'est ce que l'État attend? Non. Aujourd'hui,
il est chez lui, je suis bien content. Mais ce sera la victoire quand tout le monde sera rentré, que lui, comme les autres, seront blanchis. Il n'y aura plus aucun soupçon parce que les dossiers restent encore vides après plus de 190 jours aujourd'hui. Ce n'est pas normal que Goupère a souffert parce qu'il prend la voie pour défendre Aguia, pour défendre Pépin, pour défendre Simouna. Tout le monde est suspendu parce qu'on est là pour les suspendus. Ils avaient leur place aujourd'hui là, dans le combat qu'ils ont décidé d'embrasser au départ. Ils avaient tout à fait leur place là ce soir. Donc c'est une façon de communier avec les suspendus, de célébrer les suspendus. Mais c'est une façon, ça me rapproche aussi des grands frères. Alors, parce que c'est long. Pour rester effectivement sur les grands frères, c'est vrai que quand on a entendu cette nouvelle, surtout que M. Kraï Samuel, il est rentré quand même deux fois au CHU pendant son incarcération. Donc, on aurait pu imaginer le pire, ils auraient pu aussi le garder, il aurait pu rester en prison, il aurait pu mourir, on ne demande pas. Donc, c'est quand même grave parce qu'il est rentré deux fois au CHU avant d'être relâché pour raison de santé. Ça veut dire qu'on ne voulait vraiment, vraiment pas le laisser sortir déjà. Donc, il faut prendre conscience en fait que là, quand je dis que ce n'est pas une victoire, ils ont juste respecté au moins un droit fondamental humain. Ça veut dire qu'il avait le droit aux soins. Pour une fois dans ce dossier, ils ont respecté un droit. Mais on ne lui a pas fait de faveur. Ça veut dire que s'il était mort au sein de la prison, ça aurait été une faute de plus pour l'État dans ce dossier. Ça aurait été une faute de plus et là, ça aurait été la faute qui serait impardonnable. Donc je pense qu'ils ne lui ont pas fait de faveur. Ils ont respecté la loi. Ils ont respecté ses droits d'être humain présumé innocent et qui a droit aux soins. C'est juste un droit qu'ils ont respecté. Mais ils ont encore bafoué plein d'autres droits, autant pour Samuel que pour les autres. Donc aujourd'hui, oui, merci, ils ont respecté un droit. Mais nous attendons, nous, familles, à ce qu'ils respectent tous les droits des 11 grands frères. Je rappelle, Samuel aujourd'hui qui est libéré, mais il en reste 10. On parle de Buana, on parle de Lilo, on parle de Didier, on parle de O'Neill, on parle de Bébé, on parle de Chris, on parle de Xavier, on parle d'Eric et on parle de Gargamel. Je crois que je n'ai oublié personne, Bébé, ouais, et Zébris. Donc ils ont autant de droits que Samuel et c'est autant de droits que Samuel qui ont été bafoués jusqu'à maintenant. On a respecté un droit, il en reste encore. Est-ce qu'il faut qu'un autre risque sa vie pour pouvoir en respecter d'autres? C'est la seule question que j'ai envie de poser à l'État, que j'ai envie de poser aux juges, que j'ai envie de poser aux élus qui ont une grande part de responsabilité. Tout comme la situation des soignants, ils ont une grande part. Vous pouvez vous cacher, vous ne pouvez pas nier l'évidence. Vous avez une grande part de responsabilité. Comme les suspendus, vous auriez dû être à côté de vos pieds suspendus, parce que ça, il faut partie de la population. Comme les grands frères, vous auriez dû être à côté de nous pour défendre les grands frères, parce qu'ils ont répondu à votre appel. Donc aujourd'hui non, ce n'est pas une victoire. J'attends qu'on respecte tous les droits. Et j'attends de la population qu'elle comprenne que ce qui nous arrive aujourd'hui à nous, ce qui arrive aux suspendus aujourd'hui, demain, si on ne continue pas à élever la voix pour tout ce qui est en train de se passer, demain, ça peut être nous. Alors, tu as aussi un événement qui arrive dans quelques jours, un rassemblement? Oui, il y a les roses à l'espace Guy Corneli, au square Guy Corneli au Vézé, samedi soir. Donc, il y aura un déboulé, hein, comme on sait le faire ici, pour célébrer, pour soutenir. À partir de 19h et à 22h, il y a les roses sur la place Guy Corneli avec les frères Geoffroy et plein d'autres personnes. J'en dis pas plus. Il faut venir pour soutenir. Donc il y aura des choses, il y aura les stands de t-shirts pour les grands frères. Je rappelle qu'en aucun cas ce n'est pour faire de l'argent. Les t-shirts sont vendus et la totalité est reversée à l'avocat en métropole des grands frères déportés. Et on espère après pouvoir faire autrement, mais pour l'instant, dans un premier temps, le t-shirt que vous avez vu sur Jean-Michel Rotin, il est fait que pour payer les avocats. Parce qu'on doit continuer à payer les avocats d'ici. On l'a bien compris que pour se faire entendre partant, il faut se faire entendre à l'échelle nationale et c'est pour ça qu'on a fait des avocats en métropole. Donc il y aura tout ça là-bas, qu'il y boit, qu'il y manger. Et puis nous qui ensemble, nous pas bien voir que c'est des moments importants qu'elle nous a partagés, tout comme ici. Donc c'est important d'être ensemble, de célébrer, de crier les énergies des ancêtres avec nous. Et les roses, c'est qu'ils tient en nous. Donc c'est normal que nous célébrer les grands frères à travers les roses
pour nous célébrer tout ce temps-là, pour nous ensemble. Convergence des luttes, ça très important. Mais nous allons parler de suspendus, nous allons parler des grands frères, nous allons parler de l'eau, nous allons parler des grands frères, nous allons parler de Claude Econ, nous allons parler des grands frères, nous allons parler de Clodo. Ça très important. Convergence des luttes, c'est ça qui fait sauver nous. Mais là, on va parler des grands frères, là, on ne peut pas parler des grands frères, on va parler de Edwin en Martinique, un petit frère, 22 ans qui est incarcéré depuis un an et demi, qui n'a toujours pas pu dormir avec son fils, qui est né pendant qu'il était en prison. On lui reproche la même chose à peu près que les garçons. Il n'y a rien dans le dossier. Et pourtant, les appels sont rejetés. Le recours en nullité a été rejeté aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que notre peuple se réveille? Les élus, portez vos couronnes. Vous les avez appelés pour régler la situation. Savez prendre votre micro, savez prendre vos écrits, vos plumes pour dire qu'ils n'ont rien fait. Parce que vous comprenez bien qu'aujourd'hui, nous, on ne gagnera pas ça. Le combat là, on est bien conscient que c'est politique et qu'on ne pourra pas gagner ce combat sans que vous disiez la vérité. Voilà. Est-ce qu'entre-temps, les élus quand même, on a vu que M. Servat, il a fait des communiqués, des courriers. Est-ce que les autres se sont rapprochés de toi entre-temps? Serval a fait depuis le départ l'attestation, pardon. Serval a fait depuis le départ, il a fait le communiqué, il a accepté de faire une attestation à main levée avec sa pièce d'identité. Ça, il a fait, il n'y a pas de problème avec ça. Chalus a fait un papier de la région disant qu'il avait subi. Ce n'est pas une attestation de témoin, mais bon, ça va. D'accord. Mais après, il est l'OSBAR, vous avez reçu des messages, vous les lisez, vous ne nous répondez pas. Avons-nous moins de valeur que d'autres? Monsieur Baptiste m'a échangé vite fait, mais bon, je n'ai pas reçu de documents. J'ai demandé une réunion avec tous ces élus. Je n'ai toujours pas de réponse. Monsieur Baptiste, depuis, il est devenu aussi député. Hein. Monsieur Courtois, silencieux total. Pourtant, il fait partie des échanges qui ont eu lieu. Mais alors lui, là, c'est le silence. Il n'est pas là. Il ne voit pas, il n'entend pas, il ne parle pas. Voilà. Moi, je dors bien le soir. Je ne dors pas parce que mes frères me manquent. Mais par contre, ma conscience, elle est tranquille. J'espère pour vous que vous dormez sous vos deux oreilles et que votre conscience, elle est tranquille. C'est juste ce que j'ai envie de dire. Au nom des parents, parce que vous me voyez là, mais derrière, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des femmes, il y a des enfants. Les grands frères, c'est une trentaine d'enfants. C'est une trentaine d'enfants, des enfants qui vont rentrer à l'école là, et ils ne sont pas là. Chez nous, il y a des enfants qui partent faire leurs études, les papas, ils ne sont pas là. C'est une soixantaine de frères et sœurs. Voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui. Vous êtes en famille chez vous. Eux, parce qu'ils ont répondu à votre appel, ils ne sont plus avec leurs parents. Ils ne sont plus avec leurs enfants. Ils vont perdre leur boulot. Didier, qui est policier, on joue sa vie là. Tous les jours qu'il passe en prison, on joue sa vie. Il perd sa carrière, on est en train de jouer sa vie. Hulot, tous les garçons, la plupart, ils sont primaires, ils ne sont jamais allés en prison. Ils sont médiateurs sociaux, ils sont fonctionnaires. Ils vont perdre leur boulot parce que quand on est fonctionnaire, on n'est pas censé avoir de casier. Là, on leur met une étiquette. Vous jouez des vies. Ça peut mal se terminer. Comme Samuel, vous avez renvoyé Samuel chez lui. Moi, je me pose des questions. Si vous ne l'avez pas gardé dedans, c'est que son état de santé devait mériter un soin permanent. Pourquoi vous ne l'avez pas mis à l'hôpital, le soigner comme il faut et après le renvoyer chez lui si vous voulez. Donc même tout ça, on devient tellement méfiant. Maintenant, je vois une machine à son partout. Donc je me pose des questions et juste, est-ce qu'il faut qu'il y en ait d'autres comme Samuel qui risquent leur vie pour faire entendre la vérité, la voix, le cri du cœur qui aujourd'hui est 190 jours, les gars. Les garçons en Martinique, ça fait 40 et quelques fois arrêtés. À un moment donné, ça va continuer encore combien de temps? Je ne vais pas parler plus longtemps. En tout cas, parce que j'ai pas là pour les grands frères. Voilà, en tout cas, ils peuvent être fiers de vous parce que vous êtes vraiment présents partout. Vous laissez des fois votre travail de côté, vous mettez de côté pour venir sur place. Il faut les citer, les parents, voilà. Duménil, c'est, maman, c'est énorme l'engagement papa, que vous avez fait. Aurore, Nelly, Christelle, Mélika, Françoise, maman de Zébris, maman Kai. On est tous ensemble, c'est vrai que vous me voyez moi, mais parce qu'effectivement je travaille pour moi, donc j'ai plus de facilité, mais elle est en bio derrière. Mais ils ont bien, quand tu nous dis que même si on ne les voit pas les autres grandes sœurs. Oui, on travaille, on est ensemble, on est une grande famille aujourd'hui et on avance ensemble. Il n'est pas question qu'on célèbre pour un pour pas célébrer pour les 10 autres. Aujourd'hui, ce n'est pas une victoire, je le rappelle. On a juste respecté pour une fois
un droit fondamental humain. On a respecté. Mais il y en a combien d'autres qui sont bafoués? C'est tout ce que j'ai à dire. Gros bisous, Jess. Et force aux grands frères aussi s'ils nous regardent, s'ils voient cette vidéo. Force à eux. Chaud.